Nous sommes le 15 février 2024 à Yaoundé, au Cameroun. Mesdames, messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Tout à l'heure, Patrick Bala va nous rejoindre pour une balade en kiosque. Question d'avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. La dénonciation de Bernardo Basson est restée intacte tout à l'heure. Vous l'aurez également comme cela se doit. Mais ce jour, nous marquerons un arrêt probablement pas majeur pour évoquer la situation des drogues au Cameroun dans son volet jeunesse. Jeunesse et drogue au Cameroun et dans bon nombre de pays africains, que faut-il faire? Nous avons l'impression que le phénomène a gagné en intensité, en ampleur, avec tout ce que cela comporte comme déviance, mais également aux conséquences. Ce matin, sur le plateau, nous aurons un expert, mais également d'autres invités pour en parler avec froideur, mais surtout avec profondeur. Parce que vous regardez Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégié. On commence par accueillir ceux-là qui sont déjà en studio. Jean-Claude Messomon, bonjour. Bonjour, parfait. Et bonjour à tous les panélistes. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Je souligne que vous êtes le promoteur de l'agence anti-drogue ACD, Action contre les drogues. C'est la deuxième fois que nous allons vous recevoir sur ce plateau. La première fois, c'est il y a un peu plus d'un an. Oui. Comment se porte votre association? L'agence se porte très bien. Nous avons fait les activités sur le terrain à Guider, Lagdo, Garoua et Gachiga. Sur le terrain, nous avons découvert des jeunes dealers de 13 ans, 11 ans. 11 ans. 13 ans sur le terrain. Il est dealer. Dealer, c'est vendeur dealer, de drogue. Dealer, c'est vendeur de drogue. Nous avons découvert sur le terrain des jeunes dealers. Et comme il faut des codes pour entrer, je maîtrise ces codes, je suis entré et j'ai causé avec les dealers. Je leur ai demandé que vous êtes jeune, vous êtes petit, pourquoi vous n'allez pas à l'école? Ils m'ont dit que la drogue donne beaucoup d'argent. Ah bon? Et je leur ai demandé que est-ce que vous savez que si on vous avait parti en prison, ils disent que non. Nous, quand il y a le retour, on sait comment on gère avec les hommes en tenue. Avec le lien. Oui. Ils ont dit ça. Et je voulais souligner le non-cure qui ne fait que circuler. Oui. C'est le caillou. Bon, la question que je me pose, est-ce que le chef d'État sait qu'il y a un footballeur, danseur, qui se fait appeler par un petit nom, cure, à l'équipe nationale du Cameroun? Ah bon? Le cure, c'est le caillou. En footballeur, danseur, dans l'équipe nationale du qui Cameroun. Qui était en Coupe d'Afrique, qui animait les troupes. Il s'est fait appeler cure. Le cure. Le cure qui est une drogue violente qui détruit nos enfants. C'est pour passer quel message à la jeunesse? Merci, Jean-Claude Messomon. Vous êtes donc un expert en matière de drogue. On en parlera de manière très profonde tout à l'heure. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, ça commence fort, là. Oui. Quand on parle de drogue, c'est fort. C'est fort. Ça cogne la tête. Bonjour au panel. Je vais dire bonjour à Arisa Nomo, une de mes sœurs, à Stéphane Nama et à Le Pic depuis Mimboman. Il vous écrit souvent d'ailleurs. Je vais dire happy birthday également, joyeux anniversaire à deux personnes. À mon frère Jackie Bissai Emmanuel, qui est du côté de la France. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Et happy birthday au professeur Maurice Camteau, qui a 70 ans aujourd'hui. On ne le présente plus. Je lui souhaite donc beaucoup de succès dans toutes ses activités et surtout une santé de fer comme l'os du chimpanzé. Le professeur Maurice Camteau. Oui, il a dit le 15 février 1954. Donc il a 70 ans aujourd'hui, 15 février 2024. Et le président de la République, lui, il est né le 13 février. 13 février.
Donc ils ont l'écart de 2 jours. 2 jours, mais plusieurs années. D'accord. Et Cabral est né en mars. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Alors aujourd'hui, on a 2 journées internationales. La première, c'est la journée du syndrome d'Angelman. C'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte les individus d'origine génétique et qui se pose sur le 15e chromosome. C'est pour ça qu'on célèbre, du moins on travaille sur cette journée le 15, nous sommes le 15 février. La deuxième, c'est la journée internationale des cancers de l'enfant. Bon, c'est la journée de réflexion contre toutes les formes de cancer qui affectent les enfants, sur les mécanismes éventuellement de prévention et les différents traitements qui sont mis à disposition contre les différents cancers qui affligent les enfants au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est la journée de réflexion sur tout ce qui peut être cancéreux, cancérigène et nocif pour les enfants. Merci, hein? Merci Bernardo. À côté de vous, nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, qui nous retrouve toujours très en forme ce matin, le fils de Bouniebel, Pierre Blériot-Guemec, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je joins ma voix à celle de Bernardo pour souhaiter joyeux anniversaire à Kanto Maurice, né le 15 février 1954 à Bafoussam. Candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Faut-il le dire, le candidat vainqueur qui est né le 13 février, c'est Paul Biya. Kanto le 15 février, deuxième. Cabral né le 29 mars, troisième. Je pense que même de ce côté-là, l'ordre a été respecté. L'ordre a été... l'ordre a été respecté. Bon, je crois que maintenant, les gens pensent que après Paul Biya, donc le 15 février peut aussi prendre le pouvoir. Après, ce sera le 29 mars. Mais il y en a aussi qui pensent que c'est l'ordre alphabétique qui sera respecté. Après B, Biya. C'est Cabral. Bon, je ne sais pas. De toutes les façons, on verra. On verra. Qui vivra, verra. Non, de toutes les façons, c'est les 3 personnalités politiques les plus en vue au Cameroun. Il faut le reconnaître aujourd'hui. C'est les 3 qui ont occupé le podium de l'élection présidentielle la dernière. Et nous devons les encourager à continuer de travailler. Donc, joyeux anniversaire au professeur Maurice Kamto, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire donc au professeur Maurice Kamto, le président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Pierre Blériot, la sagesse de ce jour. Il faut pouvoir se dire la vérité à soi-même pour pouvoir la dire aux autres. On peut reprendre? Il faut pouvoir se dire la vérité à soi-même pour pouvoir la dire aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes nombreux à nous mentir à nous-mêmes. Et nous prétendons pouvoir dire aux autres la vérité. Pour avoir les armes, pour avoir le charisme nécessaire pour dire aux autres la vérité, ou notre vérité, il faut d'abord qu'on puisse se dire la vérité à soi-même. Personnellement, ceux qui ont observé mes statuts hier... Vous savez, je forge mes citations sur... J'ai publié 4 femmes en statut hier. 4 femmes? Oui, oui. D'ailleurs, mes statuts sont encore ouverts. Ce sont des artistes? Non, non. Ah, d'accord. Les 4 femmes qui partagent ma vie. Ah, d'accord. Voilà, donc je n'ai pas publié la 5e. Et pourquoi? Non, c'est parce que il y a des raisons pour cela. Donc, j'ai publié 4. Et puis, les amis m'écrivaient pour me dire, mais Blériot, comment tu fais ça? Il y en a même qui disent qu'ils viendront à l'école et tout ça. Je leur dis, non, il faut assumer ce qu'on fait. Donc, il faut pouvoir se dire, il y a des hommes, j'ai surpris un monsieur hier, un jeune homme, dans une boulangerie. Il faisait différents paquets. Et il a reçu un coup de fil pendant qu'il faisait ses paquets. Ouais. Il s'est mis à mentir au téléphone. Quand il raccroche, je lui dis, mais mon frère, tu mens pourquoi? Si tu as une situation de 2 femmes, il faut que les 2 sachent que tu iras donner les cadeaux à telle, après tu iras chez telle autre.
Il y en a qui sont des petits jongleurs. Voilà, j'ai donc plein de personnes comme ça, comme vous, qui me demandiez, mais dans cette situation, on fait souvent comment? Je ne t'ai jamais posé cette question. J'ai dit comment? Je n'ai pas dit. Ah, d'accord. Mais pourquoi tu paniques? Je ne panique vraiment pas. Donc, il faut pouvoir se dire la vérité à soi-même pour pouvoir la dire aux autres. Il faut pouvoir se dire la vérité à soi-même pour pouvoir la dire aux autres. Laissez-moi vous Bernardo, faire... ce n'est pas un thème inscrit non, à l'ordre du jour. Je vais vous faire un petit congossa. Oui. C'est que M. Niemeke était à la piscine. À la piscine? Ça ne fait plus du bien d'aller à la piscine ces derniers temps. La dernière fois, on a dénoncé une affaire, mais il était quand même avec sa femme à la piscine. Il y a un bonhomme qui a trouvé la mort, entre guillemets, dans une piscine. Vous savez qu'il y a eu évolution par rapport à cette affaire. On refuse à son corps. Ouais, le revenant de la mort. Le morguier refuse son corps. C'est ce que nous appelons vulgairement le morguier, dont le monsieur qui garde les corps à la morgue. Mmh. Il a fait une vidéo hier. Hein. Ouais. Il était très énervé. Très fâché. Il a fait sortir le corps de cet enfant de la caisse de la morgue, là où il était gardé. Et il a dit qu'il faut qu'on vienne prendre ce corps, parce qu'il n'arrive plus à dormir. Ce corps le dérange. Soit on va l'enterrer, soit on l'amène dans une autre morgue. Parce que là, lui n'en peut plus. Et j'entends que le top management de l'hôpital l'a ramené à l'ordre. Il a été conduit mano militaire au conseil de discipline. Et moi j'ai dit, mais comment le conduit au conseil de discipline? C'est lui qui garde le corps. Et c'est ce qu'il ressent dans la nuit. Nous ne sommes pas avec lui. Non, non, mais il a mal agi. Il a transformé cette affaire en une affaire de buzz et autres. Il travaille dans une structure. Et il va même être puni, parce que voyez-vous, ce qu'il a fait hier est très indécent. Il s'en va filmer les cadavres publiés. Et le cadavre en question est nu. Hein. Voilà, donc je ne sais pas. Bon, c'est un thanatopracteur, sa tête est un peu comme les gens qu'il garde. Donc il a cru que les choses se passeraient comme... Non, non, c'est pas parce que cette affaire a commencé à faire le... Non, non. Il s'agit d'une intime. Les morts ont des droits. Droits à titre posthume. Ouais. Donc, il a profané même ce corps-là. Ouais. Mais ce corps-là le dérange. Mais c'est pas sa morgue. Il peut démissionner. Démissionner comment? Il va aller travailler. Ben non, dans les autres morgues, il y a ceux qui travaillent là. Il s'en réfère à sa hiérarchie. Et s'il est un vrai morgue, un thanatopracteur africain, il sait ce qu'il faut faire. Il faut faire des choses. Là, on n'y a plus atteinte. Non, ça se fait en privé là-bas. Comment chicote en privé, c'est bon? Oui, mais c'est bon. Attends, qui va aller te contester de ta vie? Vous avez dit que les morts ont des droits. Ont des droits d'être chicotés. Il faut chicoter. Oui, le droit d'être chicoté. Quand un corps ne veut pas voyager, par exemple, on te fait des ça, on te chicote. On te dit, allons maintenant au village. De toutes les façons, nous continuons à suivre cette actualité du côté de Douala. On espère que, je ne sais pas également pourquoi, du côté de cette morgue aussi, on ne veut pas enterrer ce bonhomme. Ou alors on espère qu'il va revenir à la vie. Je ne sais pas. Je vais encore prendre de plus amples informations au sortir de ce programme pour savoir ce qu'il en est. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs. Très heureux d'être
là ce matin. Très, vraiment très heureux. Patrick Bala, c'est l'homme qui nous amène habituellement du côté des kiosques pour voir la température qui prévaut de ce côté. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, les journaux de ce matin, parfait, ici, nous conduisent du côté de la météo. La météo, le tri-hebdo d'informations, d'enquêtes et surtout d'analyse qui rend un vibrant hommage ce matin au professeur Joseph Owona. La météo parle donc d'un immortel savant. Il faut dire que le 14 février, donc hier, le très brillant constitutionnaliste et homme d'État décédé le 6 janvier 2024 du côté de Bordeaux en France des suites de maladie a été l'objet d'hommages diplomatiques à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC, en abrégé, en présence entre autres des membres du gouvernement, des sommités universitaires et d'une foultitude d'étudiants. La suite des obsèques officielles dédiées par le chef de l'État, Paul Biya, prévoit notamment la levée de corps ce jour à l'hôpital général de Yaoundé, suivi des hommages académiques et du conseil constitutionnel au palais des congrès de Yaoundé. Puis, il y aura donc une grande messe de requiem à la basilique Marie-Reine des Apôtres du côté de Volier. S'en suivra demain, vendredi 16 février, une bénédiction écuménique à la résidence de l'illustre juriste. C'est du côté de Nkomo, banlieue de Yaoundé. Et l'inhumation, ce sera samedi prochain du côté d'Akombikoué, arrondissement de Mvengue, département de l'Océan, région du Sud, en présence du représentant du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famundongo. Information contenue à la page 3 de ce journal. Eh bien, le Biebdo, le point, parle donc de Joseph Owona comme étant un Essingan, faisant référence bien sûr à cet arbre qui perdure dans le temps pour la tradition Béti. Eh bien, il faut dire que le journal nous plonge la nation depuis le décès de ces derniers. La nation est plongée dans les mois, la grande famille Ekan, dans le désarroi d'ailleurs, qui comblera le vide laissé par cet érudit à qui le chef de l'État a décrété des obsèques officielles, s'interroge bien sûr le point, le Biebdo, le point ce matin. Quittons le décès de Joseph Owona pour tomber sur une autre actualité contenue du côté d'Info Matin. Ce jour qui s'intéresse à la présidentielle de 2025, le journal de Jodenin Veng nous fait savoir que les motos taximènes ont jeté leur dévolu sur Paul Biya. Ils ont choisi donc l'occasion de la célébration, c'était le 13 février dernier, des 91 ans du chef de l'État, pour en appeler à sa candidature. Les différentes cérémonies inédites et très fort courues ont eu lieu dans les chefs-lieux des 10 régions en guise de cadeaux universitaires, de cadeaux d'anniversaire. Outre le gâteau, ces dynamiques jeunes gens ont également et surtout offert à l'homme du renouveau via chaque gouverneur bâton de commandement, motion de soutien également, information contenue de la page 2 à la page 3. On parle également avec Armand Bianda du Tri-Hebdo le soir des 7 ans, 91 du chef de l'État, Paul Biya, célébré comme une légende à Koumyétotan. Il faut dire que c'est dans l'arrondissement de Meyomoussala et village maternel du chef de l'État. Et d'ailleurs, c'est le ministre directeur du cabinet civil, Vondo Ayulo, qui a offert cet anniversaire à son excellence Paul Biya. Le jour en fait également sa grande une. Le jour parle bien sûr du président de la République qui a soufflé sur sa 91e bougie dans la traditionnelle intimité familiale. L'on a à l'occasion encore observé une mobilisation des élites et une implication des diverses couches sociales qui peut faire penser à une approbation par une bonne frange de la population de cette journée symbolique. Information contenue à la page 5 de ce journal. Paul Biya en communion avec le peuple, c'est donc la grande une du quotidien bleu, le journal d'Aman Mana ce matin. Le journal parle également au bas de la page, notamment en page 6 de délestage avec l'État qui menace Eneo. Le gouvernement met d'ailleurs en garde de l'électricien qu'il tient pour responsable d'éventuels troubles sociaux au Cameroun.
Quittons ce journal pour parler de mutation, mutation qui revient également sur le paradoxe de la célébration donc de l'an 91, alors que d'aucuns s'interrogent bien évidemment sur son bilan, sa longévité au pouvoir et son grand âge. Le chef de l'État a été porté en triomphe à travers le pays, essentiellement par des jeunes, à l'occasion bien sûr de ses 91 ans. Le journal parle également de l'affaire Bobda et nous fait savoir ce matin en page 5 que le tribunal militaire s'est tout simplement déclaré incompétent. Allons voir la longévité au pouvoir et les secrets de Paul Biya, justement dû à cette longévité au pouvoir avec la nouvelle expression. Le docteur Aristide Mono décrypte d'ailleurs le régime du renouveau pour énumérer les astuces sur lesquelles le meilleur élève de la France comptait pour lancer crânement au président français que ne dure au pouvoir qui veut mais qui peut. C'est une information contenue à la page 6 de ce journal. Le journal parle également de sport avec la Côte d'Ivoire qui honore ses champions. Il s'agit du président Alassane Dramane Ouattara qui a offert bien sûr des villas de 50 millions de francs CFA à chaque joueur et bien sûr une prime présidentielle de 50 millions de francs CFA à ses différents joueurs et une de 100 millions de francs CFA à l'entraîneur, plus plus de 480 millions de francs CFA alloués bien sûr au staff technique. Quittons le journal Nouvelle Expression pour parler de Khmer Presse qui ne déroge pas à la règle et s'intéresse bien sûr aux primes réservées aux différentes sélections nationales au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le journal parle donc des lions indomptables aux petits soins avec des primes de participation princière pour une participation très foireuse financièrement au moment où le chef de l'État prescrit l'orthodoxie. Voici donc la grille de paiement de la CAF revue à la hausse de 40%. Et le journal nous fait donc savoir que les lions indomptables éliminés à l'étape des huitièmes de finale ont perçu de l'instance fêtière du football africain une prime de 480 millions de francs CFA. On parle également du messager avec Fepius Ndiaoué qui nous plonge autour des autoroutes Yaoundé-Douala. Et le journal nous fait savoir ce matin que les riverains sont sur le pied de guerre. Ceci à travers un mouvement d'humeur qui est annoncé ce jour en vue de dénoncer le non-paiement du différentiel de l'indemnisation prélevée sur un titre foncier de la succession Bandolo-Justine. Information contenue à la page 2 de ce journal. On parle du journal Popoli, le journal satirique qui fait montre des tensions sociales. L'État met donc en garde Eneo et ses délestages ce matin. Le journal également parle de Ténor qui dément avoir fui après avoir percuté un enfant. Information contenue dans ce journal. On termine avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, qui parle bien sûr de l'espace public ce matin avec la dérive des libertés. Le journal nous fait donc savoir sous le prétexte du droit de tout dire et surtout, et d'ailleurs sur tout le monde également, le climat socio-politique est pollué depuis quelques jours par des insultes, des propos haineux mettant donc à mal la cohésion sociale et portant d'ailleurs atteinte à l'honorabilité d'autrui. Le gouvernement a donc tiré la sonnette d'alarme et appelle à une prise de conscience collective sous peine de sanctions pour les auteurs de ces comportements conformément à la loi. C'est une information contenue de la page 7 à la page 9 de ce journal. C'est d'ailleurs avec le quotidien Capitaux Publics qu'on referme cette revue de presse acte 3, voilà lundi, sur Info Télévision. Le meilleur, c'est dans le cadre de ce programme, vous le savez. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, le 19h et le 20h tous les soirs, quel est le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention? On va s'intéresser aux mototaximènes, hein, surtout leur hygiène de vie.
Parce qu'on s'est rendu compte que pour certains, hein, pas tous, parce qu'on a quand même des motos taximen très exemplaires. Vous avez des motos taximen, lorsque ceux-ci sortent de chez eux, ils prennent un bon bain et se brossent les dents, et puis ils ont une tenue adéquate. Et d'autres ne le font pas? Oui, d'autres ne le font carrément pas. Ah bon? D'autres, vous souhaitez que lorsque vous montez sur leur moto, qu'ils ne disent même pas un mot. Parce que ce qui sort de la bouche, c'est pas très beau. Et vous souhaitez justement que vous ne vous rapprochiez pas de généralement des blousons qu'ils arborent. J'ai l'impression que certains, lorsqu'il a acheté le blouson en question, il ne le lave plus jamais. Oui. Il a le même blouson pendant 2-3 ans qu'il met tous les jours, mais il ne le lave plus. D'autres doublent même les blousons. Oui. C'est-à-dire il a 3 blousons sur lui. Imaginez cet orchestre d'odeur qui peut intervenir. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que d'autres justement font la garde. C'est-à-dire ils ont travaillé la journée, ils ne se reposent pas. Ils viendront travailler dans la nuit avec ces mêmes vêtements-là. Parfois, ils font des semaines et des mois avec le même vêtement. Mais à contrario, vous avez quand même certains qui ont 3-4 vêtements qui, même s'ils travaillent là, dans des endroits poussiéreux, parce qu'il faut également le dire, le moto-taximen ne va pas porter un vêtement comme le nôtre. Donc, lorsqu'il a mis son vêtement, la poussière, lorsqu'il a fait 3 ou 4 tours, peut également salir. Mais la poussière n'a pas une odeur. C'est ce qu'on veut faire comprendre à ces personnes. Donc, lavez-vous, prenez un bain et brossez-vous les dents lorsque, pour certains, lorsque vous allez porter. Moi, j'ai eu un moto-taximen. J'étais tellement ravi. D'ailleurs, il sentait bon. Il avait mis du parfum sur lui. Qu'au lieu de donner 500, j'ai donné 1000 francs. Ah, félicitations. Ouais, donc félicitations aux moto-taximen qui sont propres. Ouais. Maintenant, carton rouge et vif à l'endroit des autres. Oui, bien sûr. Je ne vais plus les qualifier. Patrick Balla. Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait. Ici. Au moment où Patrick Balla parlait justement, on peut retenir que le Baoba qui est tombé a entamé justement sa dernière ligne droite. Je voudrais parler du professeur Joseph Owona. La météo de ce matin le présente comme un immortel savant. On dit déjà que hier, c'était mercredi, on a eu droit aux hommages à l'Éric, hommage d'un diplomate senior, étudiant du professeur Owona. C'était à 15h. Aujourd'hui, nous sommes donc justement le 15 février. À partir de 9h, en principe, on a eu la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé. Entre 10h et 13h, on aura droit aux hommages du conseil constitutionnel et hommages académiques au palais des congrès de Yaoundé. À partir de 14h, ce sera la messe de Requiem à la basilique Marie-Reine des apôtres de Mvolier. De 19h à l'aube, on aura droit à la veillée à la résidence familiale. C'est du côté d'Onkomo. Et demain, ce sera vendredi 16 février 2024, 11h, départ pour le village, 14h à 17h, cérémonie traditionnelle. Et de 19h à l'aube, ce sera la grande veillée du côté du village, village appelé Akom, ou si vous préférez Akombikwe, c'est par un Vengeux. Et samedi, nous serons le 17 février 2024, 9h, début des cérémonies traditionnelles, 11h, autre cérémonie, culte et 13h inhumation. Voilà donc le programme des obsèques du professeur Joseph Owona qui s'en est allé. Il faut également dire que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a décidé des obsèques officielles à l'endroit du professeur Joseph Owona. Je passe rapidement d'abord la parole à Pierre Blériot Niamek. Ça y est, le grand savant va être enterré ce week-end du côté de sa terre natale à Akom par Vengeux. Alors, nous avons emprunté la langue des autres, la langue française notamment, dans le cas d'espèce. En France, les académiciens sont appelés les immortels.
Donc, ceux qui suivent et qui veulent être cultivés, qui sachent que ce n'est pas de la vénération. Les pères de cette langue ont décidé, chez eux là-bas, ceux qui appartiennent, qui sont membres de l'Académie française s'appellent des immortels. Pour en venir à la personne du professeur Joseph Ohona, c'est l'un des pères bâtisseurs de l'université camerounaise. Au double sens d'enseignant, mais également de dirigeant. Tout à fait. Il est l'un des premiers chanceliers de notre université. Comme nous appelions à l'époque. C'est comme ça qu'il s'appelait, ceux qui ont aujourd'hui le nom de recteur. Joseph Ohona est professeur agrégé d'agrégation française, hein, il faut le préciser, à l'âge de 32 ans. C'est-à-dire, âgé de 32 ans, il est le tout premier agrégé en droit constitutionnel en Afrique centrale. C'est donc une icône. Du point de vue de la vie politique, elle est dense. Il a passé un peu plus de deux décennies en assumant des charges des plus élevées. Il a été même secrétaire général à la présidence. Ouais. Il a été ministre de l'éducation nationale. C'est comme ça qu'on appelait ça. Ça englobait ses différents ministères, ainsi de suite. C'est une personnalité qui a contribué fortement aux différentes transitions politiques de notre pays. Il est l'une des figures de proue de la Constitution de 1996, qui avait été initiée depuis la tripartite de 91. Donc, on ne peut pas parler de la vie constitutionnelle du Cameroun, on ne peut pas parler de la vie intellectuelle au Cameroun sans parler de Joseph Ohona. Ce serait faire de la niaiserie. Alors, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas la question. Il est l'un des piliers, une éminence grise du système actuel. Les hommages académiques lui seront rendus concomitamment avec des hommages constitutionnels. Et puis, nous irons l'accompagner dans son village ce week-end. Hommage donc à ce grand homme. Si on avait... Vous confirmez votre présence à Akon ce week-end pour accompagner le grand prof. Mais au-delà du professeur Joseph Ohona, je suis très proche du professeur Mathias Eric Ohona en Guinée. On ne s'en cache pas. Donc, en plus d'être un bon grand frère, nous avons des liens de famille, c'est mon Nyandoum, des choses comme ça. Et puis, c'est quelqu'un d'affable. Ouais. Attendez, c'est à de tels moments qu'on manifeste à sa fraternité, à ses amis, notre. Voilà, je serai donc de voyage. Je serai même déjà ce soir à la grande veillée. À la résidence en commun. Voilà, donc, à de tels moments, il faut assister. Vous voyez, professeur Mathias Eric Onanguine a carrément fait le blackout de ses apparitions depuis le décès de son papa. Naturellement. Ce n'est pas une petite affaire. Il faut rappeler ici qu'il est le premier enfant d'une liste de beaucoup d'autres enfants. Joseph Ohona a eu Mathias Eric Ohona en Guinée, à Paris, pendant qu'il était encore étudiant. Oui, donc il faut le préciser. Donc il faisait les deux, hein. En même temps il faisait l'école. Mais il faisait très bien des études et la mère de Mathias et Ounanguini, une tante, faisait aussi très bien des études. Je vous ai dit qu'elle est l'une des deux premières Camerounaises. Oui, elle est l'une des deux premières Camerounaises à avoir eu le concours de l'ENAM après de brillantes études en France. Très bien. Ouais. Merci, hein. De toutes les façons, Info TV, sans oublier justement tous ces autres démembrements, le journal La Météo, le quotidien Info Matin, nous accompagnerons le professeur Joseph Ohona à sa dernière demeure. Nous continuerons à rendre ses hommages au professeur Joseph Ohona à notre manière. Il faut dire que le président, directeur général du groupe La Météo, M. Dieudonné Vent, suit avec la plus grande attention cette triste actualité. Toujours dans le registre donc triste de ce matin, nous avons également perdu l'épouse d'un frère. Il s'agit de Madame Bomba, née d'Ikobé, Karine Marianne, qui n'est plus également de ce monde. Elle était décédée avant-hier de suite de maladie. Son mari, c'est Monsieur Bomba et son Baluc, plus connu sous le pseudonyme
même de Bombacho du côté de Kondongo, au lieu dit photo jeunesse. Donc pour ceux et celles qui ont connu la ravissante Karine, Madame Bomba, née dit Kobe, Karine Marianne, elle n'est donc plus de ce monde. Elle travaillait dans une société d'assurance. Le programme des obsèques vous sera donné dans les futurs jours. Ce qu'il faut déjà retenir est que tous les soirs, à partir de 19h, il y a une grande veillée qui se tient au domicile de la défunte, au domicile de son époux, du côté d'Onkondongo, au photo jeunesse. Donc, toutes nos condoléances donc à la grande famille Essomba. Donc, toutes nos condoléances à monsieur Bomba Essomba Luc, qui a perdu son épouse Karine. À tout de suite pour la suite. Nous repassons la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jeudi. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une dame qui dénonce le comportement de deux personnes. Son époux, qui s'appelle Stéphane d'abord, et Monsieur Niemek Blériot. Je ne comprends pas bien. Elle dénonce son époux. Et elle dénonce M. Niemek Blériot. La dame en question. La dame en question. D'accord. Elle est mariée avec M. Stéphane, je cache le nom de famille, vous aurez compris pourquoi, depuis 10 ans. Ils ont 4 enfants. M. Stéphane, depuis un an, est très attaché à Espace Miné et est particulièrement fan de M. Niemek. Ils vivent à Douala. Depuis qu'il écoute M. Niemek, elle me dit... Il a certainement très mal compris les suggestions de M. Niemek et ses recommandations, et il est devenu un tout autre homme. Il a dit à sa femme qu'il pense n'avoir pas été jusqu'ici suffisamment charismatique, et désormais il va le devenir. Il est devenu violent, il est devenu méprisant, il est devenu ouvertement infidèle en lui disant si tu ne veux pas. Tu débarrasses le plancher. Tu peux quitter, parce qu'il y a des femmes qui désirent être à ta place. Elle me dit que cette situation l'affecte véritablement, parce qu'elle aime beaucoup son mari, mais elle a l'impression qu'il ne l'aime plus du tout, et surtout qu'il a très mal compris ce que M. Niemek lui a suggéré. Elle dit donc qu'elle dénonce M. Niemek, parce qu'il est en train de former une génération d'hommes qui ne vont peut-être plus respecter les femmes. Et qu'il faudrait que je lui dise, dans le cadre d'Espace Miné, qu'il reprécise sa pensée, que son mari suit l'émission tous les jours, afin que vraiment son mari comprenne dans quel cadre il a toujours voulu inscrire les rapports hommes et femmes. Auquel cas, elle va certainement demander le divorce et le quitter de peur de mourir. Ah, Kia, j'ai toujours dit à Niemek que ton affaire de charisme là, vous voyez donc ce que ça crée. Maintenant, les ménages sont en train de se disloquer. Les foyers volent en éclats. Les maris pensent que être charismatique, c'est de bastonner sa femme tel un tambour. Être officiellement infidèle avec tout ce que cela comporte. Alors, je passe d'abord la parole à Jean-Claude Mossomo. Vous avez suivi cette dénonciation. La femme n'arrive plus à comprendre son mari. Son mari a dit que... Après avoir suivi Niemek, il pense qu'il doit mettre en application ses conseils, être charismatique, et ainsi de suite. Maintenant, sa femme est bastonnée. Et le monsieur ne se cache même plus pour être infidèle. Quand la femme veut hausser le ton, il lui dit, tu peux gagner la porte. D'ailleurs, plusieurs femmes aimeraient être à ta place. Votre réaction? Enfin, ma réaction... Niemek, Niemek gâte les mariages des gens. Non, non. Ah bon? Il ne gâte pas. Mais voilà une preuve. Il ne gâte pas. Ce n'est pas une preuve. Et les gens ne se connaissent pas. Ou alors font semblant de ne pas se connaître. Ce monsieur est d'abord violent. Ah bon? Il est violent. Il se cache derrière Niemek. Il a juste trouvé... un prétexte. Pas le prétexte, la porte derrière M. Niemek.
Vous savez, je les ai dernièrement, c'est là que quand un parent dit, je prends ça comme un exemple, quand un parent dit que c'est parce que mon enfant est parti à l'internat qu'il a commencé les drogues. Mmh. Au fait, c'est que le parent n'a pas bien observé son enfant. Il a commencé à se droguer à la maison. Et comme à la maison, on appuyait beaucoup, on tapait, il y avait l'environnement qui était là propice. Donc quand il est arrivé à l'internat où l'environnement est propice, son vice s'est dévoilé. Merci. Ce monsieur était déjà violent. Il n'attendait que M. Nyéné pour faire le pas. Il ne faut pas coller. Merci. Hein. Alors, le monsieur a à peu près quel âge? 44 ans. Et la dame? 38 ans, m'a-t-elle dit. Le monsieur travaille? Oui, il a un bon emploi. Un bon emploi. La dame aussi travaille? Elle a une activité commerciale. Donc une activité commerciale. Elle est commerçante. Part. Oui, elle est commerçante. Ils ont des enfants? Oui, 4. Alors, monsieur Pierre Blérugnemec, lorsque vous suivez donc une telle dénonciation, je me dis que vous devez avoir mal. Ou alors, vous devez repréciser votre pensée. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes personnes, des hommes d'un certain âge. J'en reçois même beaucoup à la maison. Des couples ont des problèmes différents. Nous avons aidé un couple, quand je dis nous, l'une des dames Nyemek et moi, par téléphone récemment. Ce couple avait un problème de procréation. Mmh. Et la dame voulait quitter son mari parce qu'elle lui a dit, bon, moi je ne peux pas te donner d'enfants, donc vraiment reste en fer. Et nous les avons entretenus pendant un certain temps. Et nous leur avons démontré que les enfants étaient une très bonne chose. Mais le couple n'était pas obligé d'en avoir forcément pour être heureux. Aujourd'hui, le couple se porte bien ou assez bien. J'en viens à ce monsieur-là, qui certainement ne sait pas ce que c'est que le charisme. J'ai beaucoup de mes anciens élèves et étudiants qui m'écoutent. Je crois que quand on arrive à la violence physique, c'est la preuve qu'on n'est pas charismatique. Il n'est donc pas charismatique, ce monsieur. Le charisme, c'est tout autre chose. Je crois qu'on va entrer en contact. C'est tout autre chose. Ça n'inclut nullement la violence. Je ne vais pas parler des détails de vie. Vous me connaissez. D'ailleurs, Bernardo est souvent dans le véhicule avec mes différentes épouses et moi. Je cause avec mes épouses comme deux bons amis. Hein. On rit beaucoup. On rit beaucoup, on parle de tout. Pour la plupart, je suis un peu leur guide, entre guillemets. Mm. Je suis le conseiller. On me reconnaît une certaine maîtrise de soi et une certaine connaissance de la vie. Il y a ça. Maintenant, quand vous faites preuve de sagesse dans vos actes, les gens ont tendance à vous écouter quand vous dites « faites ceci, ne faites pas cela ». Il m'arrive de lever le ton sur des questions précises. Récemment, je faisais remarquer à celle qui gère l'aspect des investissements en agriculture et autres, d'arrêter de donner de l'argent aux travailleurs avant qu'ils n'aient produit le travail demandé. Un travailleur qui vient vous dit « donne-moi d'abord l'avance, vous devez lui donner 100 000, donne-moi l'avance de 60 000 ». Il dit « c'est pas sérieux ». Alors qu'il n'a encore rien. Je dis, mais tu vois que tu as donné à tel. Ils peuvent partir. Non, ils n'ont pas travaillé. Donc, la prochaine fois que tu le fais, je vais te faire assumer cela. Je vais donc lui parler de quelques actes de charisme, comment je punis. Je ne sais pas s'il le fait. Moi, au-delà de la ration et autres, je donne entre guillemets, pas une sorte d'argent de poche, mais je donne un salaire. Souvent. Moi, je dis que tu as droit à un salaire à la fin du mois. Même mes enfants, certains ont droit au salaire. Je viens de retirer à l'un tout son salaire. Tu le connais. Je lui ai retiré tout son salaire depuis 5 mois. Il souffre. Donc, je te donne ton salaire. Quand tu commets des bêtises, je retire dans ton salaire. Donc, il y a des choses. Mais, la violence physique, c'est la preuve qu'on n'a pas la maîtrise de la situation. Dans un débat, celui qui s'emporte le premier, c'est celui qui n'arrive pas à convaincre ou à maîtriser le débat. Donc, il faut déjà exclure cela. De plus, la polygamie n'a rien à voir avec les infidélités et le manque de respect. Non. Chacune d'entre elles sait que je ne peux pas débarquer avec une femme sous ses yeux.
Même si ta coépouse ne peut pas venir dans ton domicile, c'est-à-dire sans que tu n'en... Il y a des hommes qui croient que quand leurs femmes ont voyagé, ils peuvent faire venir des femmes, ainsi de suite. Non, on ne fait pas ce genre de choses. La polygamie demande que vous précisiez à la femme, quand vous allez la draguer, que je suis polygame, tu viens dans un mariage de polygamie. Est-ce que tu es d'accord? On fixe les bases dès le départ. Quand je ne suis pas ici, je suis à tel endroit. Je fais... Non, les choses doivent être dans la clarté. Quand je lui ai dit, par exemple, il peut vérifier sur mon statut aujourd'hui. Hier, j'ai affiché tout le monde, ainsi de suite, des séquences de vie, ainsi de suite. Parce que hier, dit-on, c'était la fête des amoureux. Mmh. Bon, j'ai choisi une avec laquelle je suis allé au restaurant parce que je ne pouvais pas faire 4 restaurants. Mais chacune connaît... L'année prochaine, c'est... Non, pas l'année prochaine. Mmh. Elles ont leur jour de fête. Ah, d'accord. Inès, par exemple, son jour de fête, c'est le 17 février qui arrive. Ah, d'accord. Mais comme on sera en 20, le 17, ce sera le 18. D'accord. Voilà. Ainsi de suite. Donc, les gens sont bien classés dans ce... C'est pas le désordre. C'est pas le manque de respect. C'est tout un système. Parce que les gens croient que quand j'en parle, c'est un système. J'ai de grandes personnalités qui sont même déjà venues à la maison essayer de voir. Et Limbilobé était à la maison dimanche. Il est venu s'abreuver. Oui, avec le professeur Boucagne, mais ils étaient dépassés. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, donc il faut comprendre ça. Bon, je ne vais pas dire ce que Limbi m'a dit, parce que lui n'est pas polygame officiel. Donc, tu es terrible, hein. Il t'a demandé de venir à la télé qu'il est polygame officiel. Je ne l'ai pas dit. Je vais dire ça. Je ne l'ai pas dit ça. Le professeur Boucagne, lui non plus, n'est pas polygame. Donc, ce n'est pas une blague. C'est quelque chose dans lequel nos parents vivaient. Il faut être capable de dire à ta femme que tu prends d'autres femmes, que tu as des enfants. Telle femme peut élever des enfants qui ne sont pas les siens. Cela, le maître du jeu doit en avoir la maîtrise réelle. Ce n'est pas de la rigolade. Merci, hein. Ce n'est donc pas de la rigolade, cette affaire. Bernardo Basson, la dame a besoin de conseils. Vous avez dit que le monsieur est également fidèle téléspectateur de ce programme. Peut-être que notre but ici n'est pas de voir ces personnes se séparer. Qu'est-ce que vous dites à l'homme? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez également dire à la femme pour qu'ils resserrent leurs liens amoureux, affectifs? Et Dieu merci, Blériot a reprécisé sa pensée lorsqu'il fait allusion à son charisme. Je vais dire à l'homme 3 choses et à la femme une chose. Pour l'homme, je vais lui dire que la vue dépend du regard. Une chose peut être placée devant nous. Nous la regardons tous, mais nous ne voyons pas la même chose. La vue dépend du regard et le regard dépend du mental. Donc, par rapport aux propos de M. Niemek, à ses positions, à ses suggestions sur la vie de couple, nous écoutons, nous le regardons, on ne voit pas la même chose. Et lui, il a certainement une vue ou une vision décalée des suggestions fondamentales de M. Niemek qui appelle plutôt les hommes à assumer, à s'assumer. Deuxième chose, l'espace télé est de 2 heures. Pour connaître véritablement quelqu'un, 2 heures ne suffisent pas. Vous avez juste une idée de la personne. Rapprochez-vous des personnes qui le côtoient au quotidien et qui peuvent vous dire à peu près comment est la personne, ou même contactez la personne directement pour qu'elle vous dise comment elle est. Monsieur Niemek, je le côtoie ici un peu moins que vous, parfait ici, mais beaucoup plus que tous ceux qui ne le regardent qu'à la télé. Monsieur Niemek n'est pas violent, par exemple. Il dit absolument pas. Il peut lui arriver, comme un papa, de cogner l'enfant ou de taper les fesses de l'enfant pour dire redresse-toi carrément. Mais vis-à-vis de ces femmes, il n'est absolument pas violent. Il vous a dit quelque chose qui est vrai. C'est qu'avec ces femmes, je l'ai vécu et je le vis tous les jours. Il y a parmi le faisceau de rapports qui les unissent un rapport d'enseignant à enseignant. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas dégradant. Donc, beaucoup lui posent des problèmes, comme moi aussi je le fais souvent, et il apporte une lecture objective parce qu'il sait l'être. C'est d'ailleurs lui récemment qui m'a présenté la différence qu'il y a entre être dans le mal et mal faire.
J'en reparlerai ici. La troisième chose, je vais suggérer une définition plate, pas philosophique du charisme, vraiment plate, restreinte. C'est l'admiration que des personnes vous ou accordent à quelqu'un du fait de ses qualités qui peuvent être naturelles ou artificielles. Donc un individu, par ses qualités naturelles ou construites, réussit à soumettre une masse de personnes à l'admiration. C'est ce monsieur-là qui est charismatique. Ce n'est pas celui qui use d'autres outils pour forcer l'adhésion. L'homme charismatique vous soumet à son adhésion par sa façon d'être. Ça peut être son éloquence, ça peut être sa prestance, ça peut être ses dons. Il ne vous force pas à adhérer à lui par la violence ou par d'autres moyens de pression ou de chantage. Il faut bien faire la nuance. Donc si vous comptez soumettre votre femme à votre autorité, entre guillemets, par des moyens artificiels, comprenez que vous n'êtes pas charismatique. Maintenant, pour la femme, intégrez que votre mari n'a pas bien compris les messages que passe M. Nguémé. Il peut arriver. À l'école, moi j'étais premier de la classe, il y avait les derniers de la classe. Donc il n'a pas bien compris, il n'a pas suffisamment ouvert le cerveau. Il a cherché des prétextes, des subterfuges pour laisser germer en lui et se manifester des vices malheureux qui vous causent problème. Donnez-lui un temps de récupération. S'il est ouvert, s'il est d'accord et s'il n'est pas éhonté, il peut accepter que vous me donniez son contact. Je le passe à M. Nguémé. Ils s'appellent, ils échangent. Pour être précis sur la question. Mais s'il persiste dans la violence et dans les infidélités qui frisent le mépris, quittez-le. Merci. Merci bien. C'est ce qu'il fallait dire concernant donc cette dénonciation ce jour. Nous allons marquer une autre touche pause et on reviendra pour la lecture des messages. Vous avez aimé le mois de janvier avec la CAN. Vous allez adorer le mois de février. Avec Canal+, c'est encore plus de foot avec 100% de l'UEFA Champions League. Plus d'intrigues avec la série du continent, la bataille des chéris saison 2. Plus de créations originales avec le retour du feuilleton. Le futur est à nous. Désormais, le décodeur HD Canal+ est au prix de 5000 francs à partir de la formule évasion. La parabole et l'installation sont offertes. Et surtout, profitez de votre semaine généreuse en vous réabonnant avant la fin de votre abonnement pour bénéficier tout de suite de 7 jours en plus à la formule supérieure. N'attendez plus. Alors, quelques petits soucis avec nos messages ce matin. Nous allons à la simple messagerie. Bonjour, on coûte de modérateur. Osak Mbanjor Kinyemek et Osak Bako Basson. Le mari est juste un bandit. Il calcule sa femme depuis. Il prend Blériot pour prétexte. C'est un petit pour
un adulte. Normalement, elle connaît ce comportement de son mari, mais elle gérait. Le gars est en pleine crise de la quarantaine, comme les Blancs le disent souvent. Maintenant, s'il devient têtu et qu'elle le devienne aussi, ça va le calmer. Blerung Yemek est donc devenu aujourd'hui un influenceur, selon la définition de ce mot, malgré lui. C'est le pic depuis Mimboman qui envoie le message. Hein. Autre préoccupation ce jour. Alors, bonjour El Perfecto. Je suis admiratif du grand frère Niemek. Je pense même que s'il suivait les jeunes, nous ne plongerons pas dans les affres telles qu'on voit en société. J'aimerais avoir son contact et qu'il me suive, car un aîné comme lui m'aiderait beaucoup au quotidien. C'est Didier depuis Douala. C'est vrai que le tout n'est pas d'être assisté par Niemek. Il faut déjà aussi avoir la volonté. Il faut écouter. D'accord. Il faut beaucoup écouter. D'accord. Il y a plusieurs autres messages qui interviennent encore. En attendant, entrer sur mon WhatsApp VIP. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Bonjour, parfait. Et à tout ton plateau, bonjour particulier à M. Mossoman. Je retiens ceci du professeur Joseph Owona. L'école n'est pas un challenge entre l'enseignant et les élèves. Permettez aux élèves d'évoluer. Pour ce qui est de la dénonciation, ce monsieur est un violent qui se cachait juste. Il fait mauvais usage des conseils de notre sage. Il faut dire au professeur Maurice Kamto Assia, car nous sommes pris par les obsèques du maître constitutionnel dans son anniversaire. Et dans son anniversaire sera dilué. C'est Donald Donkolmassan. Donald n'est pas sérieux du tout. Même lorsqu'on nous pensons que nous sommes en période d'accalmie, les gens veulent toujours nous amener des problèmes trop compliqués. Hein. Alors, nous revenons sur ce plateau en attendant relire les messages tout à l'heure. Qui ne cesse de tomber. Ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt pour parler de la jeunesse, mais également des drogues. Jeunesse et drogue, que faut-il faire? Le constat est visible sur le terrain. Cette affaire, cette consommation des drogues et autres stupéfiants a pris de l'ampleur. Le président de la République, dans son dernier discours à la nation et surtout à ses jeunes compatriotes, le 10 février dernier, a également parlé de cette affaire. Si le président de la République en parle déjà, c'est dire que la situation est véritablement préoccupante. Et parce qu'elle est préoccupante, ce matin, nous avons fait venir un expert en matière de drogue, lui-même. Comme il vous le dira certainement ce jour, il s'y connaît depuis de longues années. Jean-Claude Mossoman, vous qui êtes donc maintenant promoteur de l'agence anti-drogue, ACD, Action contre la drogue, vous avez été dans ce milieu. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce milieu? Qu'avez-vous fait dans ce milieu? Et maintenant, qu'est-ce que vous êtes devenu? Merci, parfait. La vérité est indécente au Cameroun et le mensonge est décent. Et j'ai l'obligation de dire la vérité à mes jeunes frères. Le pourquoi j'ai gâché ma vie. Je n'aimerais pas qu'ils gâchent leur vie. Je m'appelle Jean-Claude Mossoman. Je suis un ancien drogué, dealer, braqueur, violeur et militaire. J'ai gâché ma vie. Ah bon? Volontairement. Et on ne m'avait pas gâté au village. On ne m'avait pas induit en erreur. On ne m'avait pas possédé. Je ne voudrais pas que d'autres jeunes empruntent ce mauvais chemin. Parce qu'il y a deux issues dans ce chemin. La mort ou la prison. Pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et moi, j'ai eu une grâce par excellence de sortir de là. Mais vous avez fait la prison pendant 10 ans. 10 ans de prison. Et c'est en prison que j'ai fait le bilan de ma vie. Parce que la prison t'offre deux alternatives. Soit tu te gâches la vie davantage. Soit tu te pourris la vie davantage. Soit tu sors la tête dans l'eau. J'ai fait le bilan de ma vie. Parce que quand je cause avec un jeune, je ne lui dis pas que non, j'ai changé parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Non, c'est trop facile. Et ça ne l'aide pas. Si on part de ce côté-là, je lui dis, je dis que
j'ai déposé ma vie au sol. Parce que c'est facile d'incriminer les gens, de dire vraiment, parfait, c'est à cause de parfait, de bleu, c'est à cause de X, de Z, que je suis devenu comme ça. Non. On m'a envoyé à l'école. J'ai commencé les deux au coup moins deux. Au coup moins deux. Vous aviez à peu près quel âge? 12 ans. 12 ans. Vous fumiez déjà du... J'ai commencé à fumer le chanvre. La première fois que j'ai fumé, c'était au coup moins deux. Au coup moins deux. Quand j'entre en sixième, je tue la première personne. Oh, oh là là. Avec mes amis avec qui je marchais. En cinquième, j'arrête l'école. On me met dans l'armée. Dans l'armée, je pars, j'achète les armes au Tchad. Je loue au braqueur, je braque avec, je mets le galon de sous-lieutenant. Pourtant, j'étais caporal. Donc, j'ai gâté ma vie, j'ai gâté ma carrière, j'ai déshonoré l'armée. Et je dis à un jeune qui en tenue, toi qui m'écoutes, ne donne pas ton arme au braqueur. Ne vends pas les munitions. Si tu le fais déjà, sache que on va t'arrêter un jour. Soit on va te tuer, soit tu iras en prison. Tu es en train de gâter ta vie, ta carrière, et tu déshonores l'armée. C'est en prison que j'ai pris conscience, que j'ai dit, je ne reviendrai plus jamais en prison comme étant un braqueur. Je vais revenir en prison comme étant un éducateur. Parce que j'ai gâché ma vie et j'ai gâché la vie des autres autour de moi. Merci. Hein. Merci Jean-Claude, témoignage très émouvant. Je vais passer d'abord la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est la deuxième fois que nous recevons M. Mossomo sur ce plateau. Nous l'avons fait revenir ce matin parce que nous avons un sujet très important au niveau des jeunes en ce moment au Cameroun. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter toujours M. Mossomo qui a enlevé toute la honte, qui ne se cache pas, qui dit ce qu'il a été et ce qu'il est devenu? Parfait. Ici, il y a dans le discours de M. Mossomo quelque chose qui retient mon attention. Je partage ce quelque chose avec une amie qui vit en Suisse, qu'on appelle Robert Yvette. Robert Yvette me dit souvent, Pierre Blériot, moi je n'ai été éduqué par personne. Je n'avais pas un parent, une maman, une grande sœur, un papa pour me dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. J'ai appris par moi-même comme ça, et puis... Quand je vois certains qui ont même des gens qui leur disent de ne pas faire ci ou ça, et aller à contre-courant des enseignements, j'ai mal. Il vous dit que personne n'a gâté sa vie. Ouais. Il dit qu'on n'a pas gâté au frère. Effectivement, pour beaucoup d'entre nos enfants, nos frères, nos grands frères, et autres, personne ne gâte la vie de personne. Quelqu'un commence lui-même à prendre ses mauvaises voies. Parfois, on lui dit, ce n'est pas là-bas. Ne parle pas là-bas. Là-bas, il y a des gens qui ont été là-bas, ils ont vu que ce qu'il y a là-bas, c'est mauvais. Il dit, je pars là-bas. Il a même des exemples sous la main ou sous les yeux des personnes qui ont emprunté ces voies et dont le sort est triste. Il y va quand même. Vous voyez? Je discutais aussi hier à propos d'une de mes enfants qui commence à s'affectionner des questions de petite amie. Elle a d'ailleurs reçu un cadeau de la Saint-Valentin. Vous savez ce qu'on a donné à ma fille? Non. Un paquet d'argent. Et elle a mis ça en statue. Un paquet d'argent? Oui, oui. Un paquet de fleurs, mais plutôt fait d'argent. Ah, d'accord. Oui. D'accord, oui. Alors, et je disais à sa maman, c'est une question qu'il faut aborder avec sérénité. Il faut lui dire que la voie là a des pièges. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Là-bas, il y a des risques. Mais vous voyez, pour le parent, le papa, souvent, c'est douloureux. C'est douloureux de savoir que votre enfant veut emprunter ces voies-là. Et vous voyez, quand je parle de ma vie, je n'épargne pas les échecs. Je n'épargne pas les erreurs. Parce que vous ne pouvez pas donner des conseils aux autres en donnant l'impression que chez vous, non, tout va bien, tout a réussi, tous les enfants sont dociles. Ce n'est pas le cas. Mais comment gérer ces problèmes? Revenons aux questions de drogue. Les enfants commencent à développer le vice et tout le monde connaît le vice. La preuve que vous connaissez le vice, c'est que vous voulez cacher aux autres ce que vous faites. Oui, tout à fait. Vous savez que c'est mauvais.
Puisque si vous êtes en train d'étudier, papa ouvre la porte, vous n'allez pas vous effrayer. Oui, tout à fait. Quand vous êtes en train de faire un truc bizarre, la porte... Hey, vous voulez bloquer la porte. Vous voulez bloquer la porte. Personne n'est en train de vous enseigner ça. Vous savez que c'est le vice. Vous voulez goûter au vice jusqu'au bout. Et il y a des conséquences. Monsieur Mossoma a été militaire. Je ne sais pas si les gens ont prêté attention. On a quelques brebis galeuses qui font le travail dont il a parlé là dans l'armée. Moi, j'ai connu en Balmayo un policier qui louait son arme pour aller braquer les gens. Vous savez ce qui est arrivé à ce policier? Non. Nous étions très jeunes. Parfait, ici, il louait son arme. Il était le plus riche de tous les policiers de Balmayo. La nuit, paraît que la nuit, c'était 200 000 annuités. 200 000. Lors d'un braquage en Balmayo, on a envoyé les policiers intervenir et il faisait partie des policiers qui devaient intervenir. Il a pris une balle. Vous voyez? Alors que c'est un groupe de la nature est juste. Et il a appelé l'un des braqueurs par son nom. Il dit, c'est, comment tu tires sur moi? Oh là là. Vous voyez comment? Donc nous gâchons souvent par nos mauvais choix, par nos décisions. Et quelquefois, il y a des gens pour vous dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, vous vous entêtez. Si vous êtes béni de Dieu et lui l'est, Dieu peut aller vous prendre de la fosse au lion, vous tirer de là, pour que vous soyez un modèle. Mais ils ne sont pas nombreux que Dieu retire de la fosse au lion. Tout à fait. Moi, je conduisais du vélo dans Yaoundé et j'aimais les risques pas possibles. Vous connaissez Yaoundé avec les collines? Bien entendu. Tout le monde, mon géniteur y compris, me disait, Niamek, tu n'es pas cycliste, ton affaire de vélo sur les collines de Yaoundé. Parfois, ici, c'est la colline de la descente de, comment on appelle, à l'université, de là. Château. De Château, on appelle voilà, la cité, la perception de Waikele, qui m'a montré. Les freins se sont coupés. Seigneur Jésus. J'ai cogné un véhicule. J'ai traversé le véhicule. Le vélo est resté. J'ai atterri avec la tête. Vous pouvez vérifier que ma tête est ouverte. Incroyable. Quand je vous disais l'autre jour comment admis au CHU et que les gens ne me soignaient pas, m'avait c'est cet accident. C'est cet accident. C'est des gens comme le professeur Le Caïs Sombadieu donné à Manfred, que vous avez souvent reçu ici, le professeur Christophe Atangakuna. Nous étions camarades à l'époque, qui m'ont transporté au CHU. L'argent des étudiants, c'était combien? Quand je suis descendu de cette affaire, j'ai laissé le vélo. Mon petit frère a ramassé le vélo. Je lui ai dit que tu n'as pas vu le même vélo là. Le même vélo. Tu n'as pas vu ce que le vélo m'a fait. Donc, en fait, nous avons cette tendance naturelle à aller vers ce qui est dangereux. Fort heureusement pour lui, le vélo ne lui a pas montré ce qu'il m'a montré. Il faut faire attention. Vous chutez. Et je chute en disant, nous qui sommes regardés comme des modèles, et il avait parlé d'un joueur de l'équipe nationale, ouais, nous ne devons en aucun cas collaborer avec les choses qui ont trait à la drogue et autres. Parce que les jeunes croient, il y a des musiciens qui croient que pour chanter, il faut se droguer. Ce n'est pas vrai. Le track. On aura toujours, vous après 20 ans de modération, ça vous prend quelques secondes, mais il existe. Bien sûr. Manu Dibango, 60 ans de musique, disait que chaque fois qu'il monte sur le podium, il a 45 minutes de track. Je sais que tous les grands... Moi, je suis habitué de ce plateau. Je l'ai... Donc, vous n'allez seulement le chasser par les bonnes habitudes. Vous connaissez le professeur Mathias Eric Onangini. Naturellement. Observez que Mathias Eric Onangini démarre toujours très timidement. Tout à fait. Mais après, il prend comme un moteur diesel. Donc, n'allez pas chercher des voies artificielles. Même l'activité sexuelle, là. Moi qui donne des conseils aux gens, ne pensez pas que c'est celui qui démarre vite qui dure. D'accord? Et entre-temps, il ne faut pas toujours juger voilà. Au premier coup. Tout à fait. Merci Pierre Blériot. On va passer la parole à Bernardo. À Bernardo, on est légèrement méthodique ce matin. Vous intervenez d'abord sur le témoignage de M. Mossoma et après nous allons entrer sur le vif, dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter M. Mossoma qui reconnaît qu'il a été un ancien drogué, un ancien prisonnier, un ancien dealer, un ancien violeur, un ancien assassin, un ancien militaire, naturellement révoqué, un ancien qui a fait 10 ans de prison. Mais il a changé. J'ai beaucoup de satisfaction dans le fond. Quelque part, je suis mal à l'aise à l'idée d'en parler parce que sans prétention aucune, j'ai eu une enfance à 95% très calme.
c'est-à-dire je... Vous n'avez pas connu les drogues. Vous savez que depuis que je suis né, aujourd'hui j'ai plus de 30 ans, je n'ai jamais pris de goutte d'alcool de ma vie. J'ai jamais goûté la cigarette. J'ai jamais. J'avoue que tous les jours j'ai envie de vous initier. Je suis allé. Vous dites non. Je suis allé en boîte de nuit, je crois 4 ou 5 fois. Dans les bars, si c'est pas Wendy Sané qui vient souvent me tirer dans ses marches, je n'y vais pas. Donc j'ai eu une enfance extrêmement calme, également une adolescence. Et j'ai été à ce niveau entouré par des personnes qui me permettaient quand même d'être sur le droit chemin, entre parents. Donc j'ai très peu de connaissances sur ce milieu et donc je serai très prudent d'en parler parce que je ne sais pas ce qui s'y passe, je ne sais pas comment ça marche là-bas. Je suis donc satisfait de l'entendre parler parce que ça veut dire que l'espoir n'est pas perdu et qu'on peut sortir même du trou pour retrouver la lumière. C'est quelqu'un de courageux qui fait comprendre deux choses. La première, c'est que il y a une voix qui semble être très attirante, très appétissante, mais qui est extrêmement dangereuse. Et il y a une autre qui semble difficile, qui semble amère et délicate, mais qui est porteuse de lumière. Il semble clairement le dire. Ce qui est plus important dans ce qu'il dit et que moi je dégage, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation du terme « jeune » dans notre société. Pour beaucoup de nos jeunes, il est question, par ce terme et par cette tranche d'âge, de toucher les excès, de toucher les abus, de toucher les extrêmes, de vivre dans le vice. Pour certains, quand on lui dit « ne bois pas trop, dit je suis jeune », « ne fume pas trop, je suis jeune », « réduis la vie des femmes, je suis jeune ». Pourtant, comme si le fait d'être jeune vous confère était l'immunité. était justement synonyme de débauche ou d'excès. Tandis que pour moi, inversement, le jeune est celui qui a deux choses. La fougue et la force qui peuvent lui permettre de faire ce que le vieux ne pourra plus faire. À 5 ans, quand vous urinez, vos urines montent comme ça. Monsieur Niamek Oulé, il ne peut plus. Pour moi, pour m'encore faire une légère courbe, pour lui, va seulement tomber comme ça. Donc, ça veut dire que je suis encore plus jeune que lui sans être tout jeune. Tout comme pour l'enfant de 5 ans, ça fera comme ça. Pour moi, ça fait comme ça. Pour lui, ça fait comme ça. Et pour Paul Biya, ou pour d'autres personnes. Il y a d'autres qui ont des capacités surhumaines. Hein. Vous voyez. C'est une façon de dire qu'il y a des stratifications. Très bien. Maintenant, autre chose. Il faudrait que les jeunes comprennent que, à leur étape, pour leur étape, ils doivent écouter ce que disent les personnes qui ont emprunté ce chemin avant. Parfait, ici. Monsieur Yemek m'apprécie, pas parce que je suis intelligent, il est 100 fois plus que moi, non, c'est parce que il sait, vous aussi vous le savez d'ailleurs, que quand il me fait asseoir pour me dire, bah, c'est comme ça, j'écoute. Je dis bien, je suis un homme qui écoute profondément les conseils. Voilà pourquoi j'ai fait très peu d'erreurs dans ma vie. L'autre jour, mon grand frère me disait encore que tu n'as pas eu de gourmand dans ta vie, donc de décision amoureuse, ni de soucis avec trop de personnes parce que tu m'as vu faire et tu as vu mes erreurs. On n'apprend pas que de nos propres expériences. Très bien. On apprend également des erreurs des autres. Soyons vigilants, soyons prudents, apprenons à écouter. Soyons vigilants et soyons prudents, apprenons à écouter. Je vais repasser la parole à M. Mossoman cette fois-ci pour parler de manière un peu plus clair des drogues hein, et de tout ce qui gravite autour. Vous, qui avez l'habitude de ces milieux-là, avez-vous justement l'impression que l'activité gagne en épaisseur au Cameroun? Et qu'est-ce qui justifie cela? Il y a le... Ce qui justifie que l'activité... D'abord, l'activité gagne. Beaucoup. Là, vous confirmez. Je confirme. Et je ne sais pas si le chef de l'État connaît, est au courant que il y a des responsables d'établissements scolaires, privés et publics, qui sont des dealers passifs et actifs. Non, vous dites des choses très graves là. Responsables d'établissements? Oui. Certains qui sont des dealers passifs et actifs. Ça veut dire quoi? Un dealer passif, c'est quelqu'un qui connaît que la drogue se vend ici. Oui. Mais il n'y touche pas. Il prend un pourboire pour fermer les yeux. Il est corrompu. Un dealer actif, c'est celui qui porte, transmet à ses vendeurs. Et il y a des chefs d'établissement qui sont, certains sont des dealers passifs et actifs. Est-ce que le chef d'État est au courant de ça? Est-ce que le chef d'État connaît que c'est très la musique camerounaise fait la promotion
des musiques qui font la promotion de, du cuir, qui est le caillou, des gros. C'est même, sous le silence, c'est même quoi le cuir sous le silence du ministère des Arts et de la Culture. Le combat, ce n'est pas le combat de M. Mossomo, bien ACD, ou bien de Info TV, ou bien de... C'est notre combat. C'est ce problème-ci est en train de prendre une tournure très grave. C'est un combat mondial, oui. Mais actuellement, quand même, c'est très grave. Alors, je ne sais pas. De 13 ans. Je vais vous poser une autre préoccupation. Hein. Probablement qu'on n'avait pas fait un sondage très approfondi, mais on va essayer, parce que vous connaissez très bien le milieu. Sur 100 jeunes au Cameroun, combien prennent la drogue? Si on peut donner une estimation. 80. 80. Non. 80 sur 100. Oui, non. C'est pas excessif? Non, non, c'est excessif. De quel âge à quel âge? Okay. Bon, maintenant, de quel âge à quel âge? Ils sont... Je vais vous prendre un exemple très simple. Oui. C'est excessif, comme vous dites. C'est vrai. Il y a une zone que je ne vais pas nommer. Oui. Où j'ai fait des activités. Quand tu entres dans cette zone, à partir de 21h, oui. Tu trouves des gamins à partir de 11 ans. 11 ans. 11 ans. Possible. Je suis excessif, c'est vrai. Mais vous parlez la réalité. Je suis excessif, c'est vrai. Mais je voudrais que les gens qui me contredisent portent le sac et on aille sur le terrain. Pour qu'ils aillent voir la réalité sur le terrain. Parce que le problème que nous avons, que vous avez dit à la première question, c'est que comment faire si cette situation est déjà dégradante, si elle gagne en anglais. Oui. Les gens qui disent combattre, ils disent lutter contre. La consommation, la consommation de drogue. Malheureusement, ils sont dans les colloques, dans les séminaires, dans les bureaux climatisés. Comment allez-vous combattre un ennemi que vous ne connaissez pas? Les codes d'infiltration, les codes de communication, les codes de communication, les typologies de drogue. J'ai causé une fois avec un responsable. Il est dans le ministère. Il m'a pris de très haut. Il me disait que non, vraiment, il m'a laissé vanter que je suis le responsable, je suis, et tout. Il est expert en ceci. Oui, tout, et qu'il a fait des séminaires en France, et tout, en partout en Europe. Il dit, ok, c'est bien. Je lui demandais, monsieur, que est-ce que vous connaissez combien coûte la taille? Il m'a demandé, c'est quoi la taille? J'aurais posé la même question, c'est quoi la taille? Un expert. Contre la lutte antidrogue, qui ne connaît pas qu'est-ce que la taille. La taille, c'est une forme de drogue. La taille, c'est une drogue. Ce sont les ossements humains écrasés avec des trucs chimiques. Incroyable. Il ne connaît pas. Je lui ai demandé que le jeune qui est à Roubla, qui ne parvient pas à manger, mais il est drogué chaque jour. Vous ne vous posez pas la question qu'il prend quoi? Si ça coûte 5 000, la taille, si le caillou coûte 5 000, 8 000, et qu'il ne parvient pas à manger, mais il est drogué. Tu es un expert. Va dans sur le terrain pour découvrir. Le problème est très sérieux et parfait. Merci, parce que le problème est très sérieux. Vous allez donc nous permettre de lire d'abord quelques messages. Bonjour, bonjour. La jeunesse d'aujourd'hui n'écoute plus. Elle en fait qu'à leur tête. Comme on le dit, conseil passe. Qu'est-ce qu'elle dit là? Je vois conseil, ne conseille pas ses conséquences. Oui, qui oui. Conseille à l'enseignement. Raïssa depuis Ngoussou. Raïssa, vous avez compris que moi je ne connais pas ce langage. Hein. Alors, bonjour à tout le panel concernant ce problème de drogue de la jeunesse. Moi je pense que seul le gouvernement peut l'arrêter. Si le président veut arrêter cela, il doit fermer tous ses nombreux bars et snacks comme il y a 42 ans aujourd'hui. Avant, on n'avait pas un bar qui veut, mais qui peut. Ce sont les bars qui favorisent les sorties de nuit des jeunes. Et si les enfants se perdent aujourd'hui, c'est à cause des parents. Un parent qui est au bar de 6h à 22h, alors qu'il a les enfants qui ne fréquentent pas. À votre avis, les enfants ne vont pas fréquenter les mauvais groupes, dont le président doit sortir le décret de fermer les bars. C'est simple, Niobe des Eka. Niobe, il y a quelqu'un qui a entendu que tu es en train de mal blaguer, que les Camerounais ne puissent plus boire. Popol ne peut pas accepter ça.
Alors, on part du côté de l'Algérie, c'est le 213. Bonjour, perfecto, chapeau à Blériou Niemek, qui est devenu la bête noire des femmes insoumises et consommatrices. Merci ici. Même ici en Algérie, certaines filles disent ne pas aimer le côté barbare de Niemek. Blériou Niemek mérite être nommé président du syndicat des hommes charismatiques et catégoriques, car Blériou dit ce qu'il vit et vit ce qu'il dit. Pierre Blériou, tu as notre soutien. S'il te plaît, ouvre une école de self-made, de coaching et de gestion de foyer et nous allons nous inscrire car tu es un vrai coach. Il y a que des femmes matérialistes et des soi-disant femmes fortes, battantes et indépendantes qui trouvent que tu es un misogyne. Nous qui avons le discernement voyons que tu es un homme droit, que la femme dans la dénonciation fout la paix à Blériou car il n'est pas responsable de l'échec de son foyer. Pour finir, je dirais que les femmes soumises, maternelles et respectueuses seront traitées comme des reines. Mais ces femmes insoumises, matérialistes, profiteuses et soi-disant féministes nous trouveront en face. Parfait. Dites un peu, gars, si que j'ai sa bière. Le monsieur de l'Algérie? Oui. Bon. D'accord. J'ai ta bière. Hein. Écris-moi sur Twitter. On va gérer ça, même par PayPal. J'ai ta bière. Tu connais. C'est les femmes soumises qu'on va épouser. Autre message ce matin. Bonjour à vous tous. Ça fait partie du plan de paupérisation artificielle du chef ayopiste Pombia. Il faut que la jeunesse soit affamée et droguée pour mieux la canaliser tel un bétail. Si c'est le cas, est-ce que le président peut encore venir dénoncer cela? Autre message ce jour. Bonjour, perfecto, la perfection de la modération. Vraiment, cette histoire de drogue est grave. Jusqu'à l'autre est dans une équipe nationale et chante et danse pour le cœur. Ça n'aide rien à personne. Vraiment pathétique. C'est Ismaël de Pubertois qui envoie le message. Bonjour, les démineurs. Très belle émission. J'aimerais savoir si Bernardo a une astuce contre les hémorroïdes. Et si oui, comment le contacter? Merci et bonne journée à vous. C'est Christian de Dengue. Oui, oui. Tu as une astuce contre les hémorroïdes? Oui. C'est une composition qu'on fait bouillir et qu'on boit, ça solidifie. Oui. Bref, qu'ils m'écrivent sur... Ce qui me dérange avec les hémorroïdes, c'est qu'on veut toujours te demander de mettre les choses là-bas. Et moi, je n'aime pas qu'on mette les choses là-bas. Non, mais si c'est pour boire, c'est bon. C'est un peu amer. Non, il n'y a pas un problème. Nous mangeons les choses qui sont non plus amères que ça. Vous pensez d'abord que toutes les femmes sont sucrées. Alors, autre message ce jour. Bonjour le panel. Bonjour aux citoyens ex-drogués qui exposent les faits le plus crûment possible. Les drogués, l'alcool, etc. permettent au régime d'abrutir une bonne partie de la jeunesse. Après, on va les utiliser pour les basses besoins. Bravo à tous, surtout perfecto. Basson et Niemek, très bon travail. C'est Pacha de Yaoundé. Pierre Blériou, j'ai l'impression que cet argument ne cesse de revenir, hein, que c'est le système, ou si vous préférez, le régime qui favorise cette affaire pour abrutir la jeunesse et maintenant faire des passages en force, faire tout ce qu'ils veulent. C'est un argument à prendre au sérieux ou alors c'est trop facile? Bon, on ne pourrait pas dédouaner totalement le système parce que leur responsabilité ou sa responsabilité est engagée. Nous avons donné quitus à des gens pour nous diriger. Les drogues, pour la plupart, ont des cheminements qu'on peut détecter. Ouais. Et comme le disait M. Messomo, il ne faut pas toujours rester dans les bureaux climatisés et parler d'une réalité qu'on ne connaît pas. Les gens prennent des budgets, disent lutter contre une chose, mais ne luttent pas véritablement contre la chose. Seulement, si le système a pensé pousser les jeunes à la drogue pour les maintenir dans cet état, cela peut être contre-productif à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est de plus en plus irascible, qu'on pourrait soulever facilement à un moment ou à un autre. Et puis, sachez que lorsqu'un enfant n'est pas bien éduqué, c'est un criminel en puissance. On peut l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. Les gens d'une certaine élévation mentale, spirituelle, mesurent différemment les choses. Donc, notre jeunesse est en train de se perdre et il faut que quelque chose soit fait. Parfait, ici, c'est, je ne suis pas d'accord avec les chiffres de 80%, mais vivant dans des quartiers difficiles, je vous dis quand même que c'est déjà grave. Dans certains quartiers, c'est presque tous les jeunes. Dans certains quartiers. Ouais.
C'est presque, c'est-à-dire on sélectionne plutôt celui qui ne prend pas. Et c'est eux seuls qui peuvent vous dire que non. Parce que chez moi, par exemple, en Vogada, ce sont mes enfants. Ils me disent que non, toi tu crois que tel prend. Mais c'est lui qui ne prend pas. Je dis, ah bon? Je dis, non, non, lui-même la cigarette le dépasse, ne le voit pas comme ça. Je dis, mais pourquoi il a toujours les yeux rouges? On dit, non, lui, ses yeux sont comme ça. C'est inné. Mais par contre, tel que tu crois ne pas prendre... C'est un monstre. Oh! On dit que chez lui, ça le rend très calme quand il a pris. Parce que j'ai apprécié un petit là, j'ai dit que lui, il est très doux. On dit, ah! C'est parce que la fête là le tue de moi. Lui, quand il a pris, il devient totalement inoffensif. Alors, ça se fait même souvent au vu et au sur tout le monde. J'ai un jeune garçon, un jeune militaire. C'est pas où il était passé cette. Il ne fait que jouer au Djambo avec les autres gars. Quand les policiers arrivent, c'est lui qui se met le premier devant pour dire non, je suis militaire et tout. Vous voyez? Plusieurs fois, je lui ai dit fais attention. Tu peux pas venir gâter les jeunes comme ça au quartier. Non. Et il ne savait peut-être pas, je le lui dis maintenant, je l'ai fait arrêter une fois. Dire que j'ai dit à la Sénile, allez là-bas, prenez. Quand vous arrivez, vous commencez par lui. On l'a pris et on est allé, bon, je n'ai rien me fait. Merci beaucoup. Non, donc pour dire que notre jeunesse est encerclée, elle est prise en otage par beaucoup de forces et l'oisiveté. Parfait ici. Quand quelqu'un est au quartier, du matin au soir, on a parlé, on vous a parlé des bars. Quand tu passes, grand, il n'y a pas une là. Vous voyez, grand, il n'y a rien. Les gars font déjà des petites compositions eux-mêmes. Quand vous lui demandez comment on appelle la bière la plus violente là, il y a une bière là parmi les bières. Bon, parmi les bières de la brasserie, il y a des bières violentes là. Il dit que c'est ça qu'il prend. Il dit tu lui donnes 1000 francs, il prend une bière là, il prend 3 sachets. Il fait une composition. Il met dans cette bière là. Monsieur, on appelle ça le cocktail. Donc, alors, tu lui dis, mais mon frère, comment? La bière déjà là c'est dur, mais il dit non, non, moi ça ce n'est plus dur avec moi. Je ne sens plus ça. Donc vous voyez l'oisiveté. Il faut occuper la jeunesse. Il faut l'occuper utile. Il faut occuper la jeunesse, il faut l'occuper utile. Bernardo, à l'allure où vont les choses, à l'allure où les jeunes fument et prennent les autres drogues, parce que pour l'instant, il n'y a même plus que la fumée. Hein. Monsieur Mo va nous en parler tout à l'heure. Et il y a même ce qui est il y a plus fort, 10 fois plus que cette petite fumée. À l'allure où les jeunes prennent donc ces affaires, est-ce qu'il ne faut pas craindre pour l'avenir du Cameroun? On aura finalement, dans 10 ans, un pays de drogués? Je pense que 10 ans, c'est loin. Ah bon? Moi, j'ai grandi entre 3 villes, Yaoundé, Edea et Douala, principalement. Et dans les quartiers dans lesquels j'ai vécu aujourd'hui, je pense, en toute humilité, mais de ce que je vois, que les 80% de Monsieur Mossomo sont avérés. Ça, c'est ce que je vis personnellement. J'ai également été enseignant dans les classes dans lesquelles j'enseignais à partir de la seconde. 3/4 des garçons fumaient, prenaient des drogues. Je suis très chaleureux et très humain. Je parlais avec mes élèves de beaucoup de sujets et beaucoup se confessaient. Il y a même une fois, dans une classe de première, j'enseignais, qui m'a dit, monsieur, vous voyez, dans la salle de classe, toute la zone-là est constituée de personnes qui fument. J'ai pris la chicotte, j'ai fait fouetter quelques-uns, j'ai pêché 2, parmi lesquels un qui était premier de la classe. Mais qui fumait? Je l'ai invité chez moi, on a discuté, et il me dit, prof, c'est pour se sentir vibrer. Donc, je ne l'ai pas frustré, en fait. Il m'a dit, c'est pour me sentir vibrer, c'est pour ceci. Un garçon qui semblait être très poli. J'étais particulièrement choqué par cela, par faire ici. Mais la thèse ou l'hypothèse selon laquelle le gouvernement serait complice, je la dilue. Je la supplie. Parce que comme M. Mossomo a dit, il faut distinguer la culpabilité de la responsabilité. On peut être tous responsables, mais le coupable est celui qui adhère à quelque chose. C'est lui qui est le coupable. Donc, pour le moment, les enfants sont coupables et les parents sont responsables en ceci qu'il y a parfois de la négligence, il y a parfois un manque d'action pour quelques éléments qui me semblent être probants et évidents. Très bien. Premièrement, j'ai l'impression que les grandes villes sont surpeuplées. Et il y a beaucoup de jeunes. C'est compliqué d'encadrer une jeunesse si forte et si nombreuse. Il serait donc idéal peut-être de développer les villages pour que les jeunes y restent, pour qu'ils soient mieux contrôlés. Parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Si jamais on ne réalise pas que ces jeunes-là,
sont exposés étant très proches dans les grandes villes, il y a un vrai problème parfait ici. Deuxièmement, il n'y a pas au Cameroun ce qu'on appelle les engagements communautaires. Mmh. Ça veut dire des programmes dans lesquels on met ensemble des jeunes massivement en leur rappelant qu'ils doivent se soutenir, s'accompagner, agir ensemble pour le bien de la collectivité. On ne leur enseigne pas assez que le bien de tous dépend de l'effort de chacun. Du coup, chacun trace sa voie individuellement et ça devient problématique. Troisièmement, il n'y a pas des exutoires. Moi, je suis né il y a plus de 30 ans. À l'époque, il y avait des stades de football partout, des stades de basket partout, des stades de cinéma partout. Les jeunes avaient des endroits où ils pouvaient aller défouler le trop plein d'énergie qui bouillonnait en eux. Aujourd'hui, on a construit partout. Yaoundé surchauffe parce qu'on a coupé tous les arbres pour construire des maisons. Les salles de cinéma sont fermées. Des aires de jeu sont fermées. Des lieux de musique ou de danse sont des lieux de promotion de l'homosexualité et des partouzes. Donc, les exutoires n'existent plus. Les jeunes doivent se défouler quelque part et ils migrent vers la drogue. Il y a également un manque d'éducation au programme et au comportement approprié au Cameroun. Parce que les aînés qui sont des modèles sociaux... Vous allez chuter, Bernardo. Oui, je sors par là. Les aînés qui sont des modèles sociaux aujourd'hui sont complètement inversés. Ce sont les grands artistes, les grands sportifs qui sont des modèles sociaux. C'est une erreur. On devrait avoir pour les sociétés des personnes qui sont structurées, qui n'ont pas que des éléments périphériques pour leur donner de la crédibilité, que des éléments substantiels, cohérents et performants. Qui n'ont pas pour seul atout un bon passeport et aller entre les avions, qui n'ont pas pour seul atout un bon compte bancaire. Justement, ce sont des atouts périphériques. Il faut quelqu'un de structuré, de cohérent, de souché pour porter un discours. Quelqu'un de structuré, de cohérent, de tout ce qu'on dit. Là, il n'a pas l'argent. C'est ça donc. Et mais quand tu n'as pas de l'argent, tout ce que tu tiens comme discours, ça ne vaut rien. C'est l'inversion des valeurs. Mmh. Et donc, il n'y a pas de comportement approprié pour les jeunes. Moi, beaucoup me demandent, avec tout ce que tu as comme intelligence qu'on voit, avec tu es où structure, avec là. C'est ce qu'on me demande, tu es où avec. Sauf que ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, parfait, je vis très bien. Merci. Bon, je vis bien, pas très bien. Tu vis bien. Je vis bien, honnêtement. Et toi, tu me laisses mourir. Hier, moi, j'étais avec ma chérie, par exemple. On a mangé, on a profité. On mais il n'y avait pas de drogue. Pas du tout. Ah, pas d'alcool. Merci beaucoup. Monsieur Mont, j'ai vu vous acquiesciez de la tête lorsque Bernardo parlait. Il a d'ailleurs pris les exemples au niveau des établissements scolaires. Il se dit hein, que l'un des endroits en ce moment où ça fume dur, où on prend plusieurs drogues et autres stupéfiants, ce sont les établissements scolaires. La drogue coûte. La drogue est très juteuse en milieu scolaire. Très juteuse. Et quand j'étais dealer, j'avais proposé à un chef d'établissement, un responsable d'établissement. Vous avez proposé quoi? De faire entrer deux élèves dans son établissement. Pour faire deux soi-disant élèves, pour vendre la drogue. Et qu'est-ce que le chef d'établissement a dit? Il avait accepté. Monsieur Massaman, vous êtes sérieux là? Je parle, je vous rappelle que vous êtes dans une télévision sérieuse. Le chef d'établissement n'avait pas de problèmes mentaux? Vous voulez l'argent? Le problème avec cette manière de penser, c'est que une personne qui m'écoute va se dire que, ou bien, lorsqu'il était dans le séminaire, j'avais tenu ce même langage. La femme dans le séminaire dit que non, tu ne peux pas insulter le corps éducatif et tout. Il dit, madame, si vous ne dilez pas, si vous ne faites pas dans le besoin de la drogue, c'est bien. Mais il y a des gens qui se nourrissent de ce business. Je vais dire à Bernard que l'État est responsable. Oui, je l'ai dit. Responsable. Et pourquoi? Il y a des départements ou alors des directions qui ont des énormes budgets pour lutter contre la drogue. Mais ces budgets vont pour construire les duplex. Ça c'est vrai, quand même. Si je ne le dis pas ici, je ne vais plus le dire quelque part. C'est méchant. Et malheureusement, comme Dieu est Dieu, cette manière de faire, c'est que la personne qui a ce budget dit que ce sont les enfants de Bernard, de Blérus. Et à un moment donné, et tout et tout. Mais quand il se retourne, ses propres enfants sont très loin. Il se retrouve qu'ils ne sont même pas drogués, ils sont jinkies, ils sont bien foutus. Ils sont quoi? Jinkies. Foutus. Jinkies veut dire foutus.
Okay. Ils sont un peu ça de drogués. Oui, parce que les gens croient qu'ils font du mal à certaines personnes. Aux enfants des autres. Et le grand frère Bébé a dit quelque chose ici-là. C'est un couteau à double tranchant. En mettant en tête que si c'est ça qu'ils ont en tête, que laisser la jeunesse là-bas pour que les enfants viennent diriger, mais alors leurs enfants auront un problème. Ils auront en face des drogués. Comment gérer un drogué? Comment gérer un drogué? Parce que le drogué c'est quelqu'un que on peut venir avec un sac d'armes, on pose à côté de lui. Il le dit dans l'état second. Il ramasse. Et je peux vous assurer, en tant qu'ancien militaire, la bande ne choisit pas. La bande ne connaît pas que c'est Bléreau, c'est Bernard, c'est parfait. Non. Quand la balle est sortie, c'est sorti. C'est parti. Ça va prendre qui ça va prendre. C'est très dangereux. Très bien. Ils sont responsables. Parce que je pose bien la question aussi au père de la nation. Ayant suivi son discours, est-ce que son gouvernement est prêt à protéger la jeunesse, à lutter contre les drogues? Merci. La question a été posée. Lisons rapidement encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant le sujet, au Cameroun, sur 10 responsables, 9 fument les drogues. C'est Jean-Louis depuis Oja. Ok. Ok, Jean-Louis. Sur 10 responsables, 9 fument. Papa, il est responsable. Ouais, okay. Non, vraiment, il ne faut pas exagérer. C'est vrai quand même que je causais un jour avec... un monsieur qui est très introduit dans ce qu'on appelle la haute administration, Bléreau, qui me disait quand même qu'il y a bon nombre de ce que nous appelons quand même des grands responsables qui se droguent. Oui. Pas forcément les drogues dures. On a une administration qui ne fonctionne pas selon les canons normaux. On voit des gens qui... au lieu de traiter des dossiers au jour le jour, au lieu de décentraliser, on a des gens qui travaillent jusqu'à 2h de la nuit. Centralisent. Quand vous traversez Yaoundé, les ministères, vous voyez les gens. Les lumières. Alors, ça commence par des petites drogues. Parce qu'un humain normal... Les drogues légères. Oui, les drogues légères. À 2h du matin, oui, il a dormi. Oui, il a dormi. Et j'ai vu dans certaines directions générales, de grandes directions générales, des DG qui disent tout le temps, apporte-moi mon café là. Et le café là n'est pas simple. Ah bon? Oui. La dame qui vient servir se connaît. Elle vous dit que non, on ne prend pas le café du DG. Je vais te faire un autre. Bonjour, perfection. Ce que dit le monsieur est vrai. Ce que vous ne connaissez pas, la drogue se vend dans les ventes de boissons, les vendeurs qui sont en bordure de route. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je l'ai comme c'est écrit, il dit, parfait. Il y a un père du nom d'Ingita qui vend la drogue à Ekounou. Tous les policiers le connaissent, mais son business n'est pas inquiété. Et là-bas même, les messieurs de votre génération se droguent. Et contrairement à ce que Bléreau dit, il s'agit des drogues dures. D'accord. Je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Notre ami de l'Italie dit quoi? Bonjour Perfecto et au panel. Il faut dire aux frappeurs de femmes là que la prochaine fois que ses muscles le démangent, il peut toujours prendre rendez-vous avec Ngannou. Ce qu'il fait est tout sauf le charisme. Alors, concernant la drogue, il y a des pays en Occident où on a légalisé le cannabis, par exemple, et on réussit à contrôler. Ces saletés circulent dans tous les pays avec la bénédiction de ses gouvernants. Malheureusement, les semblants de lutte sont plutôt de la comédie. Ces dirigeants connaissent presque toujours les différents circuits de ces drogues et certains même font partie de ces circuits, mais une population toc-toc arrange bien un régime qui veut continuer de durer sans trop d'efforts. Merci, Sondobo de Ferrara qui envoie le message. Je repasse la parole à M. Mossoma. M. Mossoma, comment reconnaître un enfant qui se drogue? Est-ce qu'il y a certains signes? C'est-à-dire quand il est devant vous, comment on peut reconnaître que cet enfant il prend de la drogue? Parfait. Il faut d'abord reconnaître, il faut d'abord savoir que la drogue change le comportement. Ah bon? Même s'il est calme.
si tu appliques cette stratégie OIA, O comme observation, I comme interprétation, A comme application. Si tu observes bien ton enfant, si tu prends le temps de devenir que tu es ami avec ton enfant et que tu l'as bien observé, tu verras qu'il y a un changement. Parce que quand quelqu'un commence à apprendre la drogue, il y a un changement, même vestimentaire, émotionnel, physique, physiquement, il y a. L'enfant qui parle, les enfants qui sont toujours isolés dans les maisons, ils sont toujours calmes. Ils sont toujours dans son coin seul. Et les parents aiment bien ça, les parents disent que l'enfant, l'enfant est calme. L'enfant est calme, il me ressemble. En fait, cet enfant a des... il est prédisposé à prendre des drogues ou à des choses même plus fortes que les drogues fortes même. Et je vais dire à un parent qui m'écoute, si ton enfant, si tu vois ton enfant avec le cirage, rassure-toi que si vraiment ça je suis avec. Ah bon? Rassure-toi. Le simple cirage. Oui, je vais m'arrêter là. L'odeur du cirage peut... Rassure-toi seulement que ici, ça je suis avec. Ça alors? Si ton enfant le Montaigne, rassure-toi qu'il brûle vraiment ce Montaigne pour les... Contre les moustiques. Contre les moustiques. Le Montaigne. Oui. Incroyable. Soyez vigilants. Veillez sur vos enfants. Personne ne viendra le faire. Je peux me tirer sur X, Z et tout, et tout, et tout. Le parent, l'éducation commence à la maison. Veillez sur vos enfants. Le gouvernement ne viendra pas veiller sur vos enfants à la maison. L'enseignant ne viendra pas veiller. Je ne viendrai pas veiller. Veillez sur vos enfants. C'est votre responsabilité. Quand un enfant peut aimer le sommeil. C'est normal. D'autres dorment. Mais si tu remarques que quand ton enfant dort, peut-être fait 8 heures de temps de sommeil. Il dort profondément, comme un cadavre. Ce n'est plus normal. Okay. Ce n'est plus normal. Ça veut dire qu'il a pris le banga. Encore que le chanvre, c'est même une drogue douce. Ah bon? Le chanvre, c'est une drogue qui... C'est une herbe qui est jalouse. Elle ne se mélange pas. Dès que tu mélanges le chanvre, ça devient une drogue très forte. On appelle dans le jargon, tu traverses la route. Ça te fait traverser la route. Donc, vérifier que est-ce que observer son enfant veut dire que je veux que les parents soient amis avec leurs enfants. Parce que quand tu es ami avec ton enfant va tout te dire. Ce que tu refuses de parler avec ton enfant aujourd'hui, je peux te rassurer que le dealer le fera au quartier. Le grand frère qui passe le temps à rester au Njambo le fera, mais d'une mauvaise manière. Parce qu'il va causer avec son ouvercle, avec ton enfant. Oui, il va le mettre en confiance. La sexualité que tu refuses de causer avec ton enfant, quelqu'un d'autre le fera, mais ils parleront du porno, du sexe. Si les parents ne font rien, alors rien ne sera fait. Alors, M. Moussoma, vous avez parlé tout à l'heure du cannabis, ce que nous appelons vulgairement au Cameroun, le banga. Vous dites même que c'est presque même une drogue douce. Cela signifie qu'il y a des drogues plus fortes que le cannabis. Quelles sont ces drogues? Le caillou est fort. Le caillou. Qu'on appelle le cure. Le cure. Oui. C'est un amour de ces derniers temps. Hein? Le cure. C'est juste le mot qui... Le caillou, c'est composé de quoi? C'est un morceau de pierre comme le... Oui, le caillou, ce sont les déchets de la cocaïne. Les déchets de la cocaïne. Oui. Et ça se consomme, et ça se consomme comment? Ils prennent ça avec la seringue qui le transforme comme une sorte de pipe. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on dit on tape le caillou. Mm-hmm. Et ils font comment? Ils tirent? Ils inhalent ça. C'est une poutre? Non, c'est liquide. C'est juste un petit truc. C'est comme vraiment c'est vraiment la forme du caillou, mais tout petit. Mm-hmm. Comme mais. C'est la cendre. Et ça coûte environ combien? 5 000, ça dépend. 5 000 pour un petit machin comme oui, ça? Ça dépend. Ça dépend des zones et des villes. Et l'effet, c'est combien de jours environ, s'il vous plaît? L'effet, ça peut lui prendre... ça dépend aussi de la personne. De la dose? Oui, oui. Si la personne est déjà vraiment accro, oui. Il peut finir
ça en une journée, il peut encore chercher l'autre parce qu'il est vraiment... Et il faudra 5000 comme ça chaque jour. 5000. Ça dépend de la zone, de la région. Parce que c'est un peu comme tu es ici et que tu es le dealer de Fulham et que bon, maintenant là, toi tu es stocké. Parce que tu connais. Alors comment reconnaître qu'il y a un dealer quelque part? Le dealer, c'est quelqu'un qui est comme comme Boko Haram. Ça veut dire quoi? Le dealer peut être ton frère, ton ami. C'est quelqu'un qui est dans la société. Comme tu, le dealer peut être un fonctionnaire. Le dealer peut être... Lorsqu'il passe, est-ce qu'il a des signes distinctifs? Est-ce qu'il a des attitudes? Il n'y a que le drogué qui connaît. Oui. Et les signes, c'est quoi? Il n'y a que le drogué qui connaît. Quand il se regarde. Le drogué, parce que la vie appelle la vie, la mort appelle la mort. Le drogué connaît. Oui, mais oui, peut-être qu'il ne veut pas le dire. Dans les quartiers, moi, j'ai grandi dans un quartier difficile. Il y a des signes pour montrer qu'il y a un dealer ici. Quelquefois, nous prenons. Là-bas, c'est le signe. Oui, oui, oui. Voilà, donc nous. Voilà. Oui, voilà. Vous passez, vous voyez les fils de courant, il y a des chaussures accrochées là-bas. Vous dites, mais comment? Qui a eu l'idée d'accrocher les tennis avec les lacets au-dessus de. Je n'ai jamais compris ce film. Non! Ça dit que c'est une zone. Moi, je l'ai compris. Donc, oui, effectivement. Bon, maintenant, il y a des façons de se tenir. Par exemple, au niveau des kiosques, il y a un langage. Quand vous arrivez devant un kiosque où il y a la drogue, il y a quelque chose qu'il faut dire. Si le gars est un dealer, il va vous répondre d'une certaine façon. S'il a l'impression que vous êtes venu l'espionner, il va d'abord contourner pour que vous lui disiez qui vous a envoyé. Parce qu'on ne vient pas comme ça, n'importe comment. Bon, maintenant, quand vous êtes un client habitué, voilà, on sait quand vous êtes là. Mais, c'est ce que vous êtes venu chercher. Monsieur Guémec, c'est trop précis là. Oui, bien sûr, je vous ai dit que c'est que tu dis. Il a trop d'informations. J'ai dit que le drogué connaît. Parce qu'ils ont. Est-ce que je suis dans les quartiers difficiles? Quand les gens me menacent souvent ainsi, j'entends tel, je dis que vraiment, tu sais même à qui tu as affaire. Moi, c'est les quartiers difficiles. Tu m'as seulement avec les gars qui ont la tête cassée. Alors, il y a quelqu'un qui te taquine ici à Mossomo. Mm-hmm. Il dit que l'oncouta de la modération. Mossomo n'est pas un drogué. Il n'a même jamais goûté à la drogue. Il ne connaît rien de ces milieux-là. C'est Steve depuis Douala. Ouais. Tu peux prouver à Steve que tu es un expert. Non. Il ne faut pas prouver parce que. Parfois, ici, pour qu'on sorte. Non, j'avais un oncle qui avait arrêté de tuer les gens et d'agresser. Mmh. Il vivait en Guinée équatoriale. Il est revenu au Cameroun, il nous a dit qu'il a arrêté. Un soir, il sort à Nouvelle et trois agresseurs le surprennent. Il leur dit, non, vraiment, vous êtes encore des enfants, vous pouvez aller à l'école. Un des agresseurs dit, mais nous, on vient t'agresser, tu nous donnes des conseils. Il fonce avec son couteau. Mon cousin l'a attrapé l'agresseur, il lui a mordu le nez. Il a coupé le nez. Oui, incroyable. Il a commencé à manger. Seigneur. Il est arrivé à la maison avec du sang partout. On lui dit, mais c'est quoi, Lucien? Il dit que non, je suis sorti la nuit belle, des enfants qui ne savent pas encore agresser. A plongé sur moi. On dit, mais tu nous avais dit que tu as cessé. Donc, il ne faut pas qu'il prévoie, mais son nom, vraiment. Merci bien. Alors, bonjour, parfait. Il y a aussi l'accord des plombiers et qu'ils prennent ces flancs pleins depuis Douala, Japuma, qui envoie le message. Des pots de colle, là. Quelqu'un dit, bonjour Perfecto, s'il vous plaît, est-ce que les contributions ont une durée déterminée? Parce que je pense que c'est bon de déterminer. Je souhaiterais aussi que vous donniez les noms des différents comptes. C'est Landry et Chemon, parlant justement de ces contributions. Nous en parlons dans quelques minutes. Hein. Perfecto, je suis à côté de quelqu'un qui prend ça, qui me dit comment ce monsieur fait ça. Il connaît trop de choses. Donc, il y a un autre qui dit que Mossomo connaît trop de choses. D'accord. Monsieur Mossomo, un conseil à donner à ces jeunes qui se sont déjà lancés dans la consommation de la drogue et ceux qui sont en train de vouloir prendre ce chemin. Que dites-vous à ces jeunes qui vous regardent ce matin? Ce que j'ai dit à un jeune qui me regarde ce matin, c'est que tu n'impressionnes personne en devenant drogué. Tu n'impressionnes personne en devenant braqueur, violeur. Tu n'impressionnes personne. Tout ce que tu fais, c'est que tu détruis ta vie et celle des autres autour de toi. À celui qui veut entrer dans ce chemin, je lui dis tout simplement que ce chemin n'a que deux issues. La mort ou la prison. S'il te plaît, va à l'école.
ne te laisse pas embobiner en disant que la drogue est juteuse. Porte la drogue, va vendre, va faire l'école. S'il te plaît, ne consomme pas les drogues. Parce que tu es le fer de lance de la, du Cameroun. Tu es l'espoir de toute une famille. S'il te plaît, toi, le jeune frère qui vient d'entrer, ou bien qui est là depuis des années, en tenue, s'il te plaît, ne loue plus ton âme. Ne vends plus les munitions. Tu gâtes ta carrière, ta vie. Et tu déshonores l'armée, s'il te plaît. Attends ton salaire. J'ai mes classes qui sont des lieutenants aujourd'hui, des officiers. J'ai mes camarades de classe qui sont des magistrats. Parce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi la vie. Et moi, j'ai choisi la mort. Que Dieu bénisse au Cameroun. Merci, M. Mossoman, Jean-Claude, pour ce message fort évocateur. Et là, je vais passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo, pour nous dire ce qu'il faut faire pour les contributions des téléspectateurs. Ils sont nombreux qui ne cessent de m'appeler. Beaucoup n'ont pas suivi l'émission d'hier. Alors, hier, j'ai communiqué deux numéros, un Orange et un MTN, par lesquels on peut contribuer pour l'achat du groupe électrogène. J'ai également dit que je communiquerai un numéro par lequel des gens pourront décliner leur identité pour qu'on les intègre dans la plateforme pour leur faire l'état d'avancement des paiements. Le numéro Orange, c'est le 6 92 81 13 01. Les prénoms qui s'affichent sont Salomé Inès. Salomé Inès, 6 92 81 13 01. Le numéro MTN, c'est le 6 77 24 85 08. 6 77 24 85 08. Les prénoms qui s'affichent sont Suzanne Josepha. D'accord, c'est ce qu'il fallait donc permettez-moi, dire. Oui, Bernardo. J'ai oublié en début d'émission, pardonnez-moi. Je veux souhaiter Happy Birthday, quelqu'un que vous connaissez bien, le magistrat Xavier Ulrich Ovono-Ondoa, qui a écrit sous le tennis les larmes. C'est ça qu'il a rendu au Cameroun célèbre. Donc, merci. Happy Birthday à toi, grand frère. Plein de choses pour ta vie. Pierre Blériot, un mot sur ces contributions de téléspectateurs. Oh, bien évidemment, moi je voudrais dire à certains qui m'écrivent inbox, je voudrais t'envoyer. Non, on a dit qu'il faut faire des choses dans la clarté. Les téléspectateurs ont suggéré une formule GoFundMe pour nous aider à acquérir un groupe électrogène. Les numéros sont là. Il faudrait qu'il y ait une traçabilité. Si nous disons pouvoir gérer de grandes choses, si nous critiquons les autres, il ne faut pas que nous tombions dans le piège. Non, ce n'est pas à Niemek, c'est à ce numéro-là. Et le compte vous sera rendu. Je crois qu'une période de plus un mois peut nous être accordée à tous pour faire le bilan et voir comment réaliser cet exploit-là. Nous nous donnons donc un mois pour recevoir donc toutes ces contributions. Nous allons reprendre les numéros utiles pour pouvoir faire des envois. On dit le numéro Orange, Orange Money, c'est le 692 81 13 01. 692 81 13 01. Pour le numéro MTN, 677 24 85 08. 677 24 85 08. Voilà les deux numéros qui vous permettront donc d'envoyer vos contributions, que vous soyez à l'extérieur du pays ou alors à l'intérieur, c'est-à-dire au Cameroun. Merci déjà pour ceux qui ont commencé à envoyer depuis hier. Merci infiniment. Merci également à Jean-Claude Mossoban qui était avec nous ce matin, promoteur de l'agence anti-drogue ACD, Action contre la drogue. Merci à Pierre Blériot, notre consultant. Merci à Bernardo, notre invité permanent. Ne ratez surtout pas le journal de la mi-journée. Dans quelques minutes, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs ?